Nah, young PH. Ah, nah, nah, nah. Yo, 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 la famille, c'est Crackflow. Welcome back. Annyeonghaseyo, yeurobun, Mr. Crackflow입니다. Pangam Simira. Yo les gars, alors comme je l'ai dit et comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, nous allons parler du flop, donc des flops, voilà, des rappeurs flop, hein, le feu de paille, ceux qui nous ont donné, voilà, de la salive il y a un moment, il y a un temps, voilà, ils nous ont fait sortir des tubes, des hits, et au final, disparus. Où sont passés nos rappeurs? Des rappeurs très talentueux de l'industrie de la musique gabonais. En effet, je ne vais pas citer tout le monde, mais je vais essayer de te donner quelques rappeurs. Dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Et si j'ai oublié quelques-uns, n'oublie pas de mettre en commentaire. Voilà, ces rappeurs, expose ton rappeur. Voilà, j'ai envie de dire même, expose le rappeur qui a fait le flop, qui t'a dessus. Quel est ce rappeur qui t'a dessus? Tu t'attendais à lui, mais au final, voilà, il nous a abandonné. Tu vois ce que j'ai envie de dire? Mais bon, c'est pas, voilà, on ne lance pas de la pierre, ou bien on cherche pas de sorcières ou des sorciers. On veut juste savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ces rappeurs. Donc, sans plus tarder, je vais te donner, voilà, 2, 3, 4 sons, voilà, de ces rappeurs. Et aussi, âme sensible, s'abstenir, parce que je vous assure, les gars, les sons que j'ai trouvés, ça fait pleurer de savoir qu'il n'est plus, il n'est plus là. Donc, moi, je vais commencer avec un premier rappeur. Il est toujours dans l'industrie de la musique actuellement. En fait, il a fait son comeback récemment et c'est un frangin, c'est un poteau. Donc, si tu regardes cette vidéo, Fox le SD, qu'est-ce qui se passe? Voilà, accorde-moi une vidéo, je sais pas, un live quelque part et on essaye de parler. Aujourd'hui, il a fait sortir son propre label qui est Genius Music avec son petit frère qui est très bon. J'ai envie de faire même la biographie de ce rappeur, Mr. Amazing. Bro, il est juste trop amazing. Mais bon, pourquoi je dis Fox le SD? Parce que simplement, il est sorti avec un son, hein, tout le monde se rappelle. Voilà, album photo après le show, ça s'appelle comment encore? Voilà, le Street Fighter, après son Street Fighter, voilà, il avait fait sortir un son et tout le monde attendait Fox le SD. Mais après un moment, silence de mort. Qu'est-ce qui s'est passé avec le frangin? Mais bon, il est en train de refaire son comeback et tout, etc. Et j'ai envie de te donner un peu l'avant-goût. Donc, allons découvrir Fox le SD avec son son album photo. Kaja! L'album est open, tu peux mater les photos de ma street. C'est là où j'ai eu mes premiers sauces, arrondi 6 de Maastricht. La liste est longue, la life est courte, vous tous les citer. LBF, Panam Street, j'ai des idoles dans toutes les cités. Fox, le SD, j'ai des photos avec mon père. Dieu et son âme m'a appris à jamais changer de repère. Des photos avec ma mère, mes frères et mes soeurs, c'est la seule famille que j'ai. Les ancêtres et les prédécesseurs. J'ai des photos de Sia aussi. Première inspire, en inspire, tourne la page un instant. J'ai des photos de moi, défonçant les portes différents. Peu importe. Comme Johnny, je kiffe être un vétéran. Des tracteurs, t'as pas fini de me casser les yeux d'affilée. J'ai des photos en train de défoncer les wacks. La vie roule et je continue à faire des photos. Pellicule chargée pour les vrais et tous mes potos. Wouhouhou! Donc, le premier, voilà, que je propose, c'est Fox le SD. Il va me dire, ou bien simplement, des gens vont me dire, pourquoi tu dis Fox? Voilà, pourquoi tu dis Fox? Il est là, il est revenu. Bro, tu es raté. Bro, tu es en retard, et tout, etc. Mais bon, ça reste quand même, pour ma part, hein, Fox c'est un frangin, hein, Genius Music, big up à toi. Mais bon, Fox c'est un frangin, et pour ma part, moi je pense simplement que, voilà, il était vraiment attendu, le rappeur Fox le SD, il était vraiment attendu. Mais bon, pour ça, pour ma part, c'est une merveille de voir qu'il est revenu dans l'industrie de la musique. Mais bon, c'est quand même quelqu'un qui a dessus plus ou moins la population. Et je pense qu'en partie, il a perdu ses fans. Parce que simplement, voilà, les gens l'attendaient au tournant, mais c'était pas le cas. Donc, pour le premier que je propose, c'est Fox le SD sur son son album photo. Donc, après sa sortie avec le Street Fighter. Donc, du coup, nous, on va continuer, on va enchaîner pour ne pas faire très long dans la vidéo. Donc, du coup, on enchaîne avec Rafale. Si tu te rappelles, le gars, il était juste trop lit. En tout cas, il est sorti et il était rapide. Il était un peu comparé à Shadem et aussi, au passage,
Chadem, hein? C'est quelqu'un à mentionner, mais bon, après, ça va. Je vais mettre le frangin en pause parce que lui-même, il a dit, voilà, il a abandonné le rap. Mais surtout aussi, il faut bien le souligner que Chadem a été connu plus ou moins avec le clash avec Koba Building, le King Koba Building. Donc déjà, bon, bref, on revient à Rafale. Rafale qui était plus ou moins attendu, hein, parce que c'était quand même quelqu'un qui sortait hors du commun, qui était plus ou moins, voilà, unique dans son genre. Mais bon, voilà, on va découvrir le rappeur sur son son Bastille. Kaja. Non. Je me rappelle du français, il était tellement rapide. Et jusqu'à présent, j'arrive toujours pas à dire ces mots. Je connais pas. Voilà, je sais pas ce qu'il dit dans ce son. Mais bon, il était plus ou moins, voilà, vu comme le gars le plus rapide simplement dans ses rimes et tout, etc. Et bon, qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce que Rafale avec son son Bastille est devenu? Mais bon, je sais pas, j'ai aucune idée. Le frangin a disparu de la nature. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un comme ça, il devait faire une très bonne carrière. Mais bon, il faut savoir aussi que, quelque part, le rap ne paye pas au bled. Donc, voilà, quand le frangin a gagné en temps. Mais bon, nous allons continuer. Et là, ça va être plus ou moins... ça va être plus ou moins chaud parce que ce sont des rappeurs qui se sont quand même exprimés, qui ont fait sortir quand même quelques opus, quelques voilà, des sons assez lit où on a dansé dessus. Et là, je fais directement allusion à K2 Prime. Je t'assure, tu te rappelles du gars, mais qu'est-ce que K Prime est devenu, bro? Il a disparu de la nature. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Mais quand même, je vais faire passer son son. Et tu me dis, qu'est-ce que tu en penses du rappeur? S'il avait de la carrière, s'il était plus ou moins vu comme étant quelqu'un qui pouvait faire mal dans le hip-hop Gaboma. Et donc, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? C'est K-Prime dans son son, Dance Party. Kaja. Come on, we up. This is our dream. Chaque fois c'est la prime du vent, vous sort de l'action. Il me reste encore des rimes et plein d'intentions. Disparition, non plus qu'attention. Voici le retour du cap et plus de passion. Dans un domaine plus technique, world mighty sound. Respire, aspire à sortir. L'or, c'est crazy, funky, assez VIP. Le kick de la vibe qui fuit. Financièrement, on investit très fort. Lyricalement, on n'a jamais eu tort. Tout le monde est high, high. Vu que le son high. One time for your mind. Bébé, danse, danse. C'est party, party, danse, danse. Bébé, danse, danse. C'est party, party, danse, danse. Wow, c'était K2 Prime. Alors, le frangin, il avait des rimes encore en stock en, et tout, etc. Et pour la petite voilà, histoire, il appartenait au label Eben Entertainment. Donc, composé à l'époque de Mastakuri, Koba Building, Bapunga, voilà encore beaucoup, beaucoup des autres. Et voilà, Neftali. Hein? Donc on va enchaîner avec directement l'autre rappeur de Eben Entertainment, un ami à Koba, donc Neftali. Et je me rappelle aussi, il avait gagné le Street Fighter. Donc voilà, après sortir son son, il a disparu de la scène. On sait pas qu'est-ce que le frangin est devenu. Donc si toi aussi tu penses que voilà, c'est du gâchis, c'était un rappeur assez talentueux mais qui a disparu de la scène, dis-moi ça dans l'espace commentaire. Et donc nous, sans plus tarder,
Kaja. Master Pudi. Non. Les gars, c'est juste du gâchis. C'est du gâchis. Neftali Hitmaker. Bro, goddammit. Moi, j'ai regardé ce son, j'étais tout jeune. Et sincèrement, j'étais comme... Wow. Non, sérieux. Et je me rappelle, il représentait Sotega. Et aussi, lui, il sortait à peine du Street Fighter. Il était tout nouveau, voilà. Hypen Entertainment. Déjà au passage, Koba Building. Où est passé Neftali? Neftali, goddammit, qu'est-ce que tu es devenu? Mais bon, bref. Donc, comme je disais tout à l'heure, je vais certainement pas citer tout le monde. Mais bon, je vais essayer d'aller un peu vite et te faire connaître un nouveau rappeur. Bon, pas un nouveau rappeur, un autre rappeur qui... pour ma part, était simplement attendu dans l'industrie de la musique gabonaise. Il était vu comme étant un prometteur. Et la preuve, il avait gagné un concours face à Koba Building. Tu te rappelles, si tu connais son nom, dis son nom. Dis son nom en commentaire. Mais bon, c'est lui-même le Steel Awax. Ah. Et là, j'ai son petit passage avec... avec Koba featuring Tina. Je vais te faire simplement kiffer sa partie. Et donc dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Si il pouvait être l'un des kings du rap gaboma. Donc sans plus tarder, Kaja. Comme lorsque je kenne, hein? Allergie comme Ito. Depuis dans les games, vos habitués de vos comicos. Des blamés, des halobos, ils sont dans le bistrot. Mais je vois qu'ils m'aiment, leur travail jacté au titre. On voit qu'ils claiment, me peignent, j'en fais un glaive. Philosophie pend sur mes lèvres, donc surveillez pas mon stylo. Sème, la rage de réussite d'une jeune mère qui peine. La vague illicite d'une jeunesse qui erre. Dans le crime, j'y venis les chaque faille du système. Repère difficile, exprimé en vue humaine. Aucune notion civiste, street idyllique. L'inspiration est divine, les couplets des versets bibliques. Biodiogénique, retient la formule magique. Pour ça que la foule s'agite. Exprime ton don. Tu peux faire comme nous. Ça trace ta route sur le dossard. C'est toi qui choisis le numéro. Ah, bro. Et là, je vais encore m'adresser à Koba. Koba, où est passé Steel Awax? Il est passé où? Ah non, les gars. Donc, c'était un flashback. C'est un flashback, voilà, des rappeurs là, Gaboma, qui étaient plus ou moins bons. Hein, pour ma part, ils étaient très bons. Notamment Steel Awax, il avait gagné un concours. Voilà, je me rappelle, c'était La Fouine qui avait départi Koba et Steel Awax. Et Steel Awax était vu simplement à cette époque comme le prochain, voilà, hitmaker, comme le prochain king du rap gaboma. Mais bon, le frangin a disparu. Mais bon, en parlant des disparitions, on va parler d'un autre rappeur, pour ma part, qui était aussi très bon. Et déjà, c'est un ami,
hein? C'est un ami à moi, je connais personnellement, on a fait les bails obscurs ensemble. Voilà, et il nous vient de Port-Gentil. C'est un rappeur très prometteur, mais je pense qu'il a juste pris une pause, il va revenir dans l'industrie du rap. Mais bon, c'est quand même du gâchis. Et là, je fais allusion, notamment si tu as une idée, dis-moi son nom. Le petit oiseau dans sa cage. Mais bon, sans plus tarder, Kaja. Young BH, mon petit monde. BH, mon petit monde. Petit gars. Oh non. Cardinal. Enfermé comme un oiseau, j'ai pas perdu la raison. Prodigal, c'est mon réseau, nous on vit sur la trahison. On avance malgré les coups bas, on garde la tête haute. On lâche nos mains à coups bas, à chaque fois qu'on fait des fautes. Nous sommes pas les bêtes, on en fait juste partie. Rien à foutre du reste des dangers, on se met à l'abri. On vise la ligne et c'est comme que la VIP. C'est dans notre combat que la vie pourra nous casser VIP. On lâche pas ce bise, jamais sans la monnaie. Jamais sans la monnaie, jamais sans la monnaie. Si mon rime bat de l'or, mon nom plus la misère, mais il améliore mon décor. La musique, je l'ai à moi et c'est la vérité. Elle est la seule à m'écouter, ça, tout en vérité. Tu pourras jamais me stopper, je suis un frère dans la vallée de la mort. Je grossis un frère. Comme un oiseau sans aile, je suis enfermé dans mon petit monde. Non, Young PH, le rap gabonais perd ses rappeurs. Young PH, tu t'écoutes cette vidéo, si tu regardes cette vidéo, bro, vas-y, texte-moi, envoie-moi un message en inbox, ou bien simplement, reviens dans l'industrie du rap, bro. On a besoin, voilà, de ta vibe, on a besoin que tu puisses, voilà, contrôler le hip-hop gaboma. Young PH, c'est un frangin à moi. Hey, oh. Attention, je connais Young. Mais bon, sans plus tarder, je pense que nous allons terminer avec simplement l'un de mes sons, ou bien l'un des sons que j'ai aussi kiffé, et notamment quand je suis sorti du pays, quand je suis sorti du bled, c'était pour moi une référence, c'était pour moi l'hymne national, tu vois, de tout cela qui se sent toujours un peu éloigné. Et là, je vais poser la question à XXL au Mike. Voilà les stats. Où est passé Évasion Barbare? Non, où est passé Évasion Barbare? Et surtout Gregson. Donc, je vais te faire kiffer le son de Gregson, sur son son Destination Gabao. Ça, c'est très et trop nostalgique. Gregson, Kaja. Shogun. Traversé par l'équateur, sur le bord de l'Atlantique, au cœur de l'Afrique, c'est la destination Gabao. Je te parle de mon pays, ma culture, ma patrie, ma nature, c'est ma fierté, donc je vis tout haut. Et peu importe où j'aille sur cette terre, j'ai toujours de retour ici, ça c'est clair. Oh, les choses de son histoire, la beauté du territoire, je garde espoir en ce que ça devient le Gabao. Où je viens, le soleil brille, 12 mois par année, cœur d'Afrique, le Gabon, c'est mon pays, c'est là où je suis né. Viens avec moi, je t'amène même faire un tour. On arrive par la capitale, et déjà tu peux sentir la chaleur tropicale. Et qu'on se promène sur le bord du littoral, où on découvre les richesses de la forêt équatoriale. C'est la nature qui mène le bal et le peuple qui danse. Y'a plein d'espèces animales, alors reste dedans. Mais quand même, c'est si beau ici. Je reste un pays, chaque ethnie vit en harmonie. Et elle est pique, mais ici. Dieu merci, la guerre nous a pas frappé. Gabao, terre d'Afrique, terre de prospérité. Traversé par l'équateur, sur le sort de l'Atlantique, au cœur de l'Afrique, c'est la destination Gabao. Je te parle de mon pays, ma culture, ma patrie, ma nature, c'est ma fierté, donc je vis tout beau. Et peu importe où j'aille sur cette terre, je suis toujours de retour ici, ça c'est clair. Pour la richesse de son histoire. Non, j'arrête là. Déjà, je donne plus de noms, c'est bon, c'est fini. J'ai fait une liste, comme je disais, âme sensible, s'abstenir, c'est très violent pour moi. Et non, il y a des émotions qui ressortent et tout, etc. Et voilà, quelqu'un comme Gregson, il était plus ou moins vu comme étant celui-là qui pouvait dominer la plateforme
de l'industrie de la musique au Gabon. Mais bon, il faut savoir aussi les conditions des rappeurs gabonais. Il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de l'accompagnement. Voilà, encore avec... la pandémie de la Covid. Donc ce qui fait en sorte que beaucoup de rappeurs commencent à abandonner leur art, leur plaisir, leur passion et tout, etc. Ça fait de la peine vraiment quelque part de voir des rappeurs comme Young PH, comme par exemple K'Prime ou encore Shogenza. Oh god damn it. Attends, je vais te mettre d'abord en passant. J'espère que la vidéo te plaît pour rester jusqu'au bout. Et donc du coup je vais te faire kiffer un frangin, Shogenza, mon univers. Attends. Non, ne pars pas. Voilà, c'est la dernière vidéo où je te fais connaître Shogenza. Wow. Je vais m'arrêter là parce que je pense que la vidéo va être assez longue. J'ai pas envie de te faire de la peine encore un peu plus. Mais bon, comme je le disais, notamment, il faut bel et bien reconnaître que les structures au bled au Gabon ne sont pas souvent disposées ou bien ne sont pas mises en place afin de pouvoir éclore, comme disait une punchline à Matt Seigneur Lion ou bien lors des Comindons. Combien de talents au Gabon naissent ici et combien aussi meurent aussi. Voilà. Donc du coup, je demande, c'est vraiment un coup de cœur à l'ancienne génération, aux classiques comme Bapunga, comme Lord des Comindons, comme Koba, parce que pour moi, pour ma part, c'est vrai qu'il est de la nouvelle génération, mais c'est un classique. Donc déjà, les gars, essayez de mettre en place, comme par exemple XXL Omai qui met en place des concepts, qui met en place des opportunités afin de pouvoir voir nos rappeurs, nos cultures en avant. Mais aussi, et aujourd'hui, tu as Crackflow, god damn it, première référence de hip-hop gabonais, africaine et asiatique dans le monde. Donc j'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu, n'hésite surtout pas à partager la vidéo au max. Dis-moi qu'est-ce que tu en penses de la plateforme, mais aussi dis-moi qu'est-ce que tu en penses du hip-hop gabonais. On va se retrouver pour une nouvelle vidéo, donc la vidéo 2.0 de l'évolution du hip-hop gabonais. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu vas aimer, j'espère que tu aimes le concept. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à mettre le pouce bleu. C'était MC Crackflow sur les platines. À nous revoir. Crackflow, j'ai les chimiques, j'ai la vista Crackflow.